destination. Cuckoo. J'ai pris la douche de ma vie. Je suis restée une heure sous la douche et j'ai refait toute ma life. Tu sais, quand tu rentres dans un truc spirituel, dans un nouveau voyage, dans ton cerveau qui te débloque une imagination pour te créer une vie complètement inexistante. Et t'es en mode, je vais tout faire pour en arriver là et tout. Et là, du coup, je suis un peu retour à la réalité. Je préférais ma vie sous la douche, elle était mieux. Et aujourd'hui, j'ai envie d'être moche, mais genre moche. Tu sais, j'ai pas envie de faire quoi que ce soit par rapport à moi, ni ma gueule. Ni mon swag, ni rien, j'ai envie d'être moche. Comme ça, si je suis moche aujourd'hui, bah demain vous me trouverez encore plus belle si je fais un minimum d'efforts. Alors aujourd'hui, petite activité très spéciale que je n'ai pas faite du tout depuis le début du mois d'août. C'est du montage. Vous en avez marre de me voir monter hein. J'en ai fait des choix bêtes dans ma vie hein. Mais faire la mise à jour de l'iPhone, c'est dans mon top 3. Ça fait 1h20, je suis coupée du monde. Plot twist, je crois que j'ai changé d'avis parce que il y a Seb qui vient et ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et j'ai plein envie d'être moche. J'ai envie d'être un peu moins moche. Juste couvrir un peu mes boutons et genre mettre du mascara comme ça, je fais genre j'ai des cils longs. Et en fait, Seb il est bête parce que c'est un garçon. Donc tant que je mets pas ni du liner ni du rouge à lèvres rouge, il pense que je suis pas maquillée et que je suis au naturel. Donc on va faire ça. Ah là là, les hommes, vous êtes fascinants. Make everything for fun. Worry about those comments. I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side, yo. And voilà. Oh la vache. Je suis allergique à une seule chose dans ma vie. Et c'est les moustiques. Et là, moi j'étais tranquillement en train de vivre ma vie derrière mon ordinateur. Tout allait pour le mieux. Sauf que en été il y a des moustiques et la lumière elle est allumée et j'ai du mascara sur mes paupières et personne ne me l'a dit. Donc je suis désolée, moi j'adore les animaux tous, mais il y en a un. Je peux pas me les voir. Oh la vache, c'est quoi ça? T'as vu la tache? C'est tes potes hein. Non mais j'en peux plus, regarde, il y a une tache ici, ici. Mais j'ai l'impression que ça fait une heure que j'ai emménagé. C'est dur. Il y a des moustiques partout. Si je l'ai comme ça, alors vraiment je suis la bosse. Et tu me payes 30 verres ce soir. Vas-y. Ah non, c'est pas du moustique, c'est du plafond. Merde. C'est ça mon vlog du jour? Oui. Tu me fais comme titre et miniature à ça? Tu dis au secours. Tu me fais confiance? Ferme les yeux et ouvre la bouche. Ah! C'est quoi? C'est quoi? C'est surprenant. Je t'ai drogué. C'est vrai? Oui. Et là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est des fleurs de bac. C'est quand tu fais des crises d'anxiété. Dans le train retour de Marseille, j'étais toute seule et moi, j'ai vraiment l'impression que depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je régresse. Car je suis connectée à mon téléphone toute la journée. Et ça, je n'aime pas. Sur mes deux téléphones, je suis connectée toute la journée. Et est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien. Enfin, c'est bien, mais il faut faire autre chose. Donc, j'ai acheté plein de paperasses, les actualités, les news dans le monde, etc. Ouais, mais après, chasse au naturel et revient au galop. Et j'ai acheté tous ces journaux. Mais j'ai également acheté un truc qui s'appelle 774 savoirs inutiles. Fort. Avant les gommes, on effaçait le crayon avec... Ses doigts, sa bave, comme ça? Non. Pomme de terre? Non. Du pain? Demi. Demi? Ouais. Pourquoi? Bah je sais pas, devant le... Dans la trousse d'école. En italien, tiramisu signifie remonte-moi le moral. Tiramisu. C'est joli. Il y a une mouche dont la partie de son abdomen est dorée. Par qui son nom a été inspiré? Beyoncé. Oui. C'est ça. Quoi? Et la mouche, elle s'appelle la Scaptia Bianchae. Mais pourquoi j'ai pu trouver ça?
Et t'imagines, t'es tellement connu que ton... il y a une mouche qui porte ton blaze. C'est stylé, hein. C'est stylé, moi je veux qu'il y ait une mouche qui s'appelle La Situation. Alors là, choquée. Choquant. Le vrai nom de ma copine, donc Barbie. Ok. Son vrai blaze, c'est Barbara Millicent Roberts. Et pendant tout ce temps-là, on jouait avec elle. On l'a même pas demandé c'était quoi son prénom. On l'appelait par son surnom Barbie. La pauvre. La pauvre. Personne n'a dit, et toi tu t'appelles comment? Ouais, bah maintenant vous le savez, elle s'appelle Barbara. Et elle mérite qu'on l'appelle par son prénom. Et Bart Simpson, c'est pas Bart. C'est Bartholomé. Non, je disais ça pour rire. Si Bart. Bon, on est copines, vous et moi. Et surtout pendant le mois d'août, c'est difficile de cacher des choses. Donc, je vais vous dire la vérité et ce qui est en train de se passer. Et la raison pour laquelle je suis de nouveau dans un sweat à capuche. Avec Seb, on s'est disputé ce soir. Et du coup, on a une idée pour aller mieux et se rabibocher. On va refaire notre premier date. C'était juste après l'enlèvement de Bilal. Il était venu me voir à l'after party. J'avais un pantalon à paillettes. Donc j'ai remis un pantalon à paillettes. Et peut-être que comme ça, on va se rabibocher. Parce que là, il m'énerve. Et vous savez quoi? Je l'énerve aussi. Et je veux pas paraître en mode raconter trop d'informations sur genre TMI et comment on dit en français, genre too much information. Mais c'est bien aussi de vous dire que la vraie vie, c'est ça, tu vois. C'est pas toujours hashtag goal, hashtag gros. Genre, la vie est rose, tout le monde s'entend trop bien, que c'est les bisounours. C'est ça la vraie vie. Il y a des hauts et il y a des bas. Et là, on va remonter. Tu sais ce qui est ironique, c'est qu'aujourd'hui, Melty, ils ont fait un article sur les couples goal et on a la couverture du truc. C'est qui ça, hein? Pourquoi il y a une casquette chez moi? T'as des trucs là. Ça commence. Ouais. Oh, mais t'as mis du fond de teint sur mon pull? Communiquer! Putain! Non mais c'est vrai, ça fait du bien. Dis-leur, tu donnes des conseils sur tout ça. Bah c'est exactement ce que j'ai dit. Mon swag, je me trouve très fraîche. T'avais pas ce sac là. Non, entre temps j'ai collaboré avec Dior. Ça te frustre pas d'avoir des sacs genre 3 jours? Quand j'en ai rentré, ça me fait un peu mal. Oui. Parce que j'ai le temps de m'y attacher. En 3 jours? Oui. Mais la première heure où je l'ai vu, c'est bon, il est juste attaché à lui. Let's go. Dans mon esprit tout divin, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Pour mettre dans ta trousse d'école, un peu de mie, si tu fais une rature. Je ne veux café au carnaval. Que ton âme qui vagant sur ma peau, une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton nom. Le souffle lancinant. Par contre, il pourrait allumer la lumière pour mon vlog, hein. Parce que là, la... regarde, elle a éclaté la pyramide. Attends, je te mets un flash. Waouh. Ah bah c'est mieux, hein. C'est pas mal, regarde ouais. La différence. Trop bien, merci Seb. De nos corps dans le sombre animé lentement. Et la nuit, je pleure des larmes. À Paris, on a plein de beaux monuments, mais celui-ci, il a quelque chose de particulier. Il nous a parlé, le monsieur? Non, non, il a... C'est un peu tôt ou tard pour faire un footing? Ils sont où, les champs? Il est 2h du matin. Ouais, je comprends pas, vous êtes où? C'est... Ouah, ça, j'adore. C'est vrai? Non, je sais pas si... Je vais dire. Mais pourquoi il est allé? Mais quel est le rapport? Pour combien tu mets cette heure avec des pieds énormes chez toi? J'aimerais trop visiter chez eux, là-haut. Parce que ça se voit, ils ont un bête d'appart. Genre, si t'habites ici, c'est que t'as un bête d'appart. J'aimerais trop voir. Summertime, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party. Chérie, mais ils auraient dû la laisser dans le Louvre, elle était plus jolie là-bas. C'est une fausse. Je vérifie depuis tout à l'heure. Tu sais qui c'est qui a inventé la Joconde? Vinci? Non, c'est Beyoncé et Jay-Z. Ah oui, c'est vrai, dans leur clip? Oui. Ouais, ouais. C'est Beyoncé qui l'a dessiné. Et tu sais pourquoi elle regarde tout le temps, peu importe où tu goûtais? Non. Mais c'est pas la vraie non plus. Ah ouais? Ouais, c'est une fausse. Mince. On peut le voir à tout. J'ai hâte de voir les gens dans les commentaires qui vont voir ça premier degré. Seb, tu t'arrêtes alors qu'on est vraiment... Il est 3h du matin, il n'y a pas une voiture. Fais attention quand même.
Je t'en supplie, fais attention. Je rigole pas. T'es lourd. Non, c'est bon. La sécurité avant tout. Premier date, je voulais aller voir la Tour Eiffel et pareil, il est 3h du bar. Et ici, l'ambiance était beaucoup mieux parce que c'était la pub d'Ariana Grande pour Givenchy. Asus, je vous adore, hein. Mais vous avez pas une queue de cheval et vous faites pas des high notes. Là ? Ouais. Ouais. Bon, on est rentré après ce premier, deuxième date. C'était très fun. Bon, on s'est bien évidemment réconcilié. On savait qu'on s'embrouillait pour de l'AD, mais pour le fun et pour la vanne, on a voulu refaire tout le premier date. On a tout marché, Rivoli, et puis après on s'est fait un bisou devant la Tour Eiffel qui est éteinte, comme ce qui s'est passé la toute première fois. On vous en avait parlé dans un petit chat make-up en début d'année. Je sais pas du tout ce que va rendre ce vlog et comment vous allez le regarder. Parce que c'était un truc genre hyper personnel, donc pas hyper à l'aise d'en parler, mais d'un côté je trouve que c'est important de montrer que les relations, genre surtout sur les réseaux sociaux, parce que on montre que ce qui est positif, c'est aussi de dire que bah t'aimes une personne mais tu peux aussi te disputer avec elle et c'est sain. Et que c'est sain d'avoir des différends, mais qu'il faut aussi en parler. Et nous, on aime bien parler avec des vannes et pousser les vannes jusqu'au bout. Quitte à aller à la Tour Eiffel à 4h du matin pour se réconcilier. Contente de partager ça en vlog, parce que je sais que dans 6 mois on regardera le vlog en rigolant. En disant qu'est-ce qu'on était con. J'espère que cette vidéo vous a plu les copains. Je vais pas vous déprimer mais les vlogs d'août, ça se termine bientôt là quand même, hein. Le mois d'août il est passé tellement vite. J'espère qu'on se retrouvera demain et que vous avez vu le vlog d'hier, que vous avez kiffé et tous les autres et que vous êtes excités pour la suite. Bisous les copains, bye. Tu veux dormir? Dans mon esprit. Oh la vache. Tout d'hiver, je me perds dans tes yeux, je me noie dans la vague de ton regard amoureux. Je ne veux que ton âme divagant sur ma peau. Une fleur, une femme dans ton cœur, Roméo. Je ne suis que ton nom, le souffle lancinant de nos corps.